J'ai commencé la harpe à Nice quand j'avais 5 ans et demi, l'ouverture des classes musicales d'école primaire. Et les parents voulaient que je fasse du piano, comme beaucoup. Il n'y avait plus de place en piano, donc le directeur m'a dit d'aller voir la dame dans la classe là-bas. Il se trouve que c'était la prof de harpe. Il y avait deux élèves, il n'y avait pas de petite harpe, il n'y avait que des grandes. Donc la première leçon, j'ai eu le droit d'avoir plein de bottins sous les fesses pour essayer d'atteindre le haut des cordes là-haut. Voilà, ensuite j'ai eu mon prix à Nice à 14 ans, 15 ans. J'ai intégré le Conservatoire supérieur de Lyon à 14 ans. J'en suis sortie 4 ans après, normalement. J'ai eu mon CA de harpe juste un an après. La même année, j'ai eu un prix international au concours international de harpe de Gargilès. Et ensuite, j'ai travaillé en freelance, comme on dit, dans des orchestres, l'Orchestre de Paris, le National de France à la radio, et puis d'autres, l'Ensemble Orchestral de Paris aussi beaucoup. Et j'ai été assistante au Conservatoire supérieur de Lyon aussi, de 85 à 89, et j'ai intégré l'Orchestre de Lille en 1988. En 2005, pour jouer les danses de Debussy, de Claude Debussy, bon, c'était juste un orchestre à cordes, hein, c'était une petite formation. Et à ce concert-là, j'avais aussi joué la Sequenza de Luciano Berio, qui était une œuvre de musique très contemporaine avec beaucoup de sons très particuliers, et ça faisait un peu découvrir l'harpe sous un autre jour au public. Ensuite, j'ai joué le concerto de Ginastera en 2007. Ça, c'est un concerto qui est sympa. Il y a un gros orchestre, beaucoup de percussions, des cuivres, et ça change l'image qu'on a de l'harpe, parce que c'est aussi une harpe un peu plus violente et beaucoup plus variée quand même que ce qu'on entend.